l'itinéraire du jour. Donc je suis parti d'en bas de la Combe-d'Yre, au-dessus de Doussard. Puis je suis monté à travers bois, jusque vers le chalet des Barbus, là. Ensuite, j'ai contourné complètement la pointe de Vélan pour me retrouver au chalet de la Serve en bas. Puis monter assez escarpé jusqu'à la pointe. Toute la crête. En bas, c'est les chalets de l'eau froide. Il y a de chouettes chalets d'alpage par ici. Alors après, ben, je vais peut-être suivre la crête. Tiens, je suis pas tout seul aujourd'hui. Et peut-être poursuivre jusqu'au pas de l'ours pour redescendre ensuite toute la Combe-d'Yre par la route du col de Chérel. Voilà, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, mais il y a beaucoup de marches. C'est assez fatigant quand même. Très joli parcours. Me voici au chalet de la Serve. C'est très joli ici. Un gros chalet d'alpage. Quelques meumeux qui broutent. C'est leur cloche qu'on entend là, je pense. Si le son passe bien. En face, c'est la dent de Conce. Là, c'est la Tournette. Très jolie vue d'ici. Et puis là-bas, c'est le lac d'Annecy. On pourrait croire qu'il y a deux lacs. On voit bien le resserrement de Douin. Mais pour l'instant, je vais essayer de monter là-haut, à la pointe de Vélan. Ça a l'air raide. Magnifique paysage quand même. Et me voici au sommet de la pointe de Vélan. Petit panoramique rapide. La Tournette. Le Lanfonnet, les dents de Lanfon. Tout au fond, le Parmelan. Le lac d'Annecy. Les plus hauts sommets des Bauges sont en plein dans le caca aujourd'hui. Là, c'est le Trélo. L'Arcalo. Tout au fond, là-bas, c'est le Péclo et l'Armen. Là, c'est la pointe de la Sambuie. Ah, puis là, ça me rappelle des souvenirs de vacances de l'an dernier, c'était sympa. La luge d'été de Sethné. C'était chouette. Bah tu gardes ouais, à peu près cette distance à la limite. C'est parti.
fait. Et voilà.